Bonjour à tous et bienvenue à cette première entrevue qui sera réalisée avec les intervenants de la Journée mondiale de la Terre célébrée par Nouvelle Acropole. Nous célébrons la Journée de la Terre-Mère qui sera célébrée le 22 avril prochain. Donc, nous avons une série d'activités, de conférences, surtout pour amener une autre perspective sur cette importante journée qui est la Journée de la Terre, c'est-à-dire notre relation à elle et aux lois de la nature. Donc, Nouvelle Acropole est une école de philosophie à la manière classique. Donc, nous nous intéressons naturellement à la vie, à la vie sous toutes ses formes, et puis plus particulièrement notre lien à la Terre et à celle-ci. Donc, l'étude comparée des philosophies d'Orient et d'Occident nous amène de façon naturelle à chercher à se comprendre nous-mêmes, à comprendre notre place dans l'univers et dans la nature. Et on devient naturellement un citoyen conscient de son impact et un acteur du changement. Donc, comme premier invité que nous présenterons, c'est Pierre Lemasson. Pierre qui va nous présenter le 22 avril prochain à 19h30 au Café Insiders. Je vais donner la fin l'adresse, mais vous pouvez le lire dans le commentaire sous la vidéo là, sur les différents réseaux. Donc, Pierre Lemasson, qui est philosophe à Nouvelle Acropole, qui va nous présenter une activité sur les mystères du cosmos et de la Terre et notre place dans l'univers. Donc, c'est celle de l'être humain. Donc, c'est tout à propos. Donc, bienvenue, Pierre, à cette première entrevue. Donc, bienvenue. Je te laisse te présenter. Parle-nous de ton intérêt par rapport au thème et pourquoi présenter une activité sur la Terre, en fait, et sa place dans le cosmos. Ah, merci Michel, je suis en fait très content d'avoir eu cette opportunité, cette invitation, et j'ai hâte aussi de partager avec tous les participants lors de cette activité, parce que l'esprit de la Journée de la Terre, bien, on le sait, c'est un peu de réaffirmer notre passion pour une amélioration de la situation de l'humanité sur Terre, et de toutes sortes de façons. Et je crois bien qu'on est presque 8 milliards sur la Terre, et bien il y a 8 milliards de solutions aussi. C'est ça qui est beau dans une approche philosophique, c'est qu'on est tous des acteurs, chacun à notre façon. Et puis c'est cette diversité qu'il faut célébrer. Et de la même manière, donc, l'angle que j'apporte correspond un peu à mon chemin de vie personnel, qui était déjà très jeune, cet astronome amateur qui regardait les cieux. Et puis, très jeune, je me laissais inspirer par cette déesse des muses qu'on appelle Uranie ou Urania. Et Urania, en fait, c'est quand on tourne notre regard vers les astres, et puis qu'il y a cet émerveillement naturel qui prend possession de nous, et puis un émerveillement qui est sans mots. Je pense que tout le monde, tout être humain qui a la chance de sortir des villes assez loin et puis regarder le ciel et avoir l'impression d'une profondeur même infinie. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est comme si le temps s'arrêtait. C'est comme si on se sentait, pour certains vont dire, tout petit face à cet espace grandiose. Pour d'autres, c'est en résonance, un peu comme un musicien qui joue sa partition ici sur Terre, mais dans un cosmos si grand et peut-être avec tant d'autres conscience vivante un peu partout dans le cosmos, comme nous le racontait dans ses visions mystiques Giordano Bruno, par exemple, au 15e siècle. Plusieurs grands philosophes ont réfléchi à quelle est notre place dans l'univers et quel est le sens, parce qu'il y a un lien, et on se souvient de l'hermétisme qui disait
ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et l'inverse. Évidemment, il y a différents niveaux d'interprétation. Il y a un niveau plus, je dirais, philosophique, il y a un niveau plus, je dirais, physique ou matériel. C'est-à-dire, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le sens philosophique, c'est-à-dire cette quête de la sagesse qui nous amène à chercher dans l'univers les réponses et nous amène depuis la nuit des temps à chercher des réponses dans la nature, dans l'environnement, dans les lois de la vie. Puis, et ça me fait penser, c'est une phrase qui est reprise à l'occasion, qui est de Socrate, qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux » et vice-versa. Donc, c'est une phrase qui nous dit de se comprendre, on va comprendre l'univers. Ça a l'air gros, mais si on regarde ça au premier niveau, qu'est-ce que le fait que les planètes tournent autour du Soleil nous apprennent sur nous-mêmes, en fait? Je te pose la question. Oui, en effet. Et merci pour amener cette perspective aussi, qui est justement celle dont on va avoir l'occasion de parler plus lors de l'activité. Et justement, ces nouvelles perspectives que nous amène le sens de la découverte. Mais je reviendrai, comme tu le disais, que finalement, notre existence sur Terre, qui est un mystère, il y a une chose qu'on peut être certain pour tous, c'est que pendant qu'on vit, on apprend. S'il n'y a pas un moteur qui est le plus fort pour l'humain, c'est cette curiosité, c'est d'apprendre, c'est de constamment se remettre en question et de questionner. Hein, la quête philosophique fait partie de cela, rassemble tous ces angles-là, ce sens de la découverte. Donc, on est dans une école. Alors, c'est intéressant parce que peut-être qu'on pourrait dire tout simplement que bon, la place de l'humain et de la Terre dans l'univers, ben, c'est une école. On est à l'école. Et puis, c'est drôle parce que si on fait cette analogie, ce parallèle, quand on va à l'école, eh bien, on a des classes par degré, hein, différentes années pour avoir certaines capacités qu'on intègre progressivement de façon cyclique. Et ce qu'on découvre, non seulement pour nous individuellement, c'est que dans notre vie, c'est aussi cyclique, la maturation individuellement, mais aussi au niveau des civilisations de l'humanité. Il y a des progrès et chaque humanité qui a poussé sa recherche, sa quête à des nouvelles limites, en disparaissant, va léguer cette essence, va léguer ses perspectives aux civilisations qui suivent, qui vont se développer sur des nouveaux terrains avec des nouveaux moyens. C'est ça que je trouve fantastique. Alors, il y a une histoire et c'est ce sens de cette histoire qui nous révèle une évolution. Et puis, il semble donc que la Terre, d'être sur Terre, facilite notre évolution, nous donne des conditions pour cela. Sans rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, parce que ça, il y en a, c'est leur spécialité scientifique, mais on peut être aussi témoin, par exemple, de la beauté de cette nature qui nous apprend. Donc, on apprend de la nature. Donc, on n'apprend pas juste parce qu'on est en quête de découverte. Justement, c'est que la nature nous répond. Nos découvertes font qu'on est de plus en plus en contact avec cette nature. Nous apporte des exemples d'harmonie, non seulement de beauté, mais d'harmonie de la biodiversité, par exemple, de la pérennité du vivant, et que quand on commence à fonctionner et à vivre, on pourrait même dire chanter et danser avec cette nature, il y a une énergie qui nous traverse, vitale, insoupçonnée, comparativement plutôt à une pratique qui serait plus intellectuelle, d'analyser et de se faire une idée, puis de rester avec cette idée. Parce que une chose que j'observe beaucoup, tu sais, dans notre époque et que bien des philosophes se rendent compte, c'est qu'on est parti peut-être dans les anciennes cultures avec une idée
que la présence, la place de l'humain dans le cosmos, si on remonte par exemple avant la Renaissance, bien, vu que l'humain était la création de Dieu, il était donc au centre de l'univers. Mm-hmm. C'était comme une déduction, voilà, logique, religieuse, on va dire. Mais, et le modèle est resté comme ça pour l'Occident longtemps. On ne parle pas des religions ou des perspectives orientales, là. C'est vraiment occidental. Arrive donc Tycho de Brahe, Copernic, Galilée, et puis ils vont nous montrer que non, finalement, le Soleil est au centre d'un petit cosmos qu'on appelle le système solaire, et la Terre est le quatrième, hein, Soleil, Mercure, Vénus, Terre. Et c'est quand même génial de se rendre compte qu'on est en périphérie, en banlieue, de la source de vie. Mais quand on a cette perspective, tout d'un coup, on se rend compte qu'on est au milieu d'un théâtre de vie où il y a une source qui est le soleil, qui est très généreuse. Mais quand on se rend compte en plus que le système solaire est un système complet, lui-même qu'on pourrait qualifié de harmonique et de vivant en termes de sa dynamique évolutive, parce qu'il a aussi le soleil, une naissance, une maturité et une mort. Les astronomes parlent aussi dans ces termes-là, même s'ils sont scientifiques. Alors, ce sens d'évolution qui est ce système solaire, bien, par écho, les psychologues comme Carl Jung vont reprendre cela et puis vont nous dire, oui, mais c'est comme l'humain. Aussi, on a en nous aussi ce soleil intérieur et cette terre intérieure et ces autres planètes, ces autres forces. On a en fait tout un théâtre en nous et des différents moteurs et qui dansent, hein, dans une musique et une harmonie. Et ce sera très bien illustré par l'astronomie, mais l'astrologie aussi. Et l'astrologie, en fait, c'est ce qui est intéressant qu'on se rend compte dans l'histoire. Nécessitait l'astronomie, que l'on ait des mesures précises du ciel. Et toutes les civilisations ont eu des experts ou des êtres humains qui ont passé des nombreuses années de leur vie à précisément mesurer tout cela pour pouvoir faciliter la science de l'astrologie, car elle leur donnait le sens du rythme et de cette vitalité très naturelle par laquelle ils scandaient et célébraient toutes les fêtes sociales et individuelles. Et là, il y a un grand mouvement d'énergie qu'aujourd'hui, on a comme perdu, parce que notre source d'énergie est devenue non plus celle du soleil ou celle des rythmes du vivant, mais plutôt bon, le pétrole, auquel on a associé une quantification financière, monétaire, mesurée dans une bourse qui veut croître toujours linéairement pour dire que c'est ça le progrès. Donc, beaucoup intellectuels déconnectés du vivant, malheureusement. Alors, peut-être que cette activité, le but, ce serait de se rendre compte que si on revient à des fondamentaux de notre présence, que l'on peut tous vivre, observer par nous-mêmes, peu importe les théories de notre époque, qui sont plutôt matérialistes et déconnectées d'un sens, d'une création qui nous permet d'apprendre, mais reconnecter avec cela. On va redevenir des acteurs, des jardiniers du monde. C'est un élément vraiment intéressant, ça, de se reconnecter, comme tu l'as mentionné, avec les lois, plutôt les cycles de la Terre qui tournent autour du Soleil, qui n'était pas qu'une, dans le sens des anciennes traditions, il y avait toutes ces fêtes, comme tu dis, ces célébrations en lien avec la Terre qui tourne, les solstices, les équinoxes, la fête des récoltes, et dans toutes les traditions, ils ont développé ces liens pour se reconnecter. On en est où dans le cycle? Où est-ce qu'on en est dans le cycle de la vie, de l'univers, du soleil, de notre véhicule spatial qui circule dans l'espace? Donc, ça donne une autre perspective qui n'est pas que physique, mais qui donne aussi l'énergie, comme tu dis, comme on se relie à l'énergie du printemps ou de l'été, des récoltes qui nous permettaient de faire cette introspection intérieure. Bien, qu'est-ce qui, nous, en nous-mêmes, on récolte? Qu'est-ce qui, en nous-mêmes, renaît ou revient, ou la lumière revient? Donc,
ce sont des. Je pense que cet élément important ben, en lien avec le cosmos et notre planète, ben, c'est fondamental. Et ça me fait penser aussi à d'anciennes traditions aztèques ou mayas, où qui avaient des calendriers sur des. Qui n'étaient pas seulement solaires, le soleil qui tourne autour du soleil, mais qui étaient aussi lunaires et qui étaient aussi en lien avec où en sommes-nous par rapport à l'ensemble, par rapport aux planètes, par rapport aux différents. Parce qu'il y avait les dates, on est telle date aujourd'hui, mais ça nous disait ben, le soleil est où, la Terre est où, la Lune est où. C'est pas simplement linéaire, ben, bien que ça peut être circulaire dans un calendrier comme le nôtre, on connaît, solaire, mais qui est aussi lunaire, et donc il nous donne une perspective autre, qui n'est pas ben, aujourd'hui on est telle date, et bien c'est pas la même. Par exemple, le 26 mars, ce n'est pas le même 26 mars qu'il y a un an, parce que tout a bougé, tout le système a bougé, toute la Terre a avancé, même le système solaire a changé de place dans la galaxie, et la galaxie a changé de place. Donc, ça donne une autre perspective d'émerveillement, comme tu dis, wow, on est où dans tout ça? C'est incroyable. Je pense qu'il est fondamental, si on veut retrouver cette vitalité, cette genre de force vive que nous sommes, de questionner l'image qu'on se fait de soi en tant qu'être humain. Hein, parce que ça va déterminer la place qu'on a en relation à la Terre et que la Terre a en relation au cosmos et nous avec le cosmos et donc aussi notre destinée quelque part. Et comment et pourquoi on navigue dans la vie. Alors savoir naviguer hein, dans la vie, c'est comme les navigateurs qui se promenaient sur les océans face à l'inconnu. On peut imaginer qu'ils ne savaient même pas où se trouvait le nouveau continent, par exemple, comme Christophe Colomb. Eh bien, ça prenait un art de gouverner son vaisseau. Un bon pilote connaîtra toujours nécessairement les astres, parce que ce sont ces astres, c'est le ciel qui va régler les opérations à bord. De même dans notre vie, on a une relation au cosmos qui règle comment naviguer sur ce vaisseau spatial qu'est la Terre. Bon, cela me rappelle cette citation d'un poète du 19e siècle qui dit « Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme ». Donc, bienvenue et à bientôt. Ben, parfait, merci beaucoup Pierre. Et puis, je rappelle à tout le monde, vendredi le 22 avril à 19h30 au Café Insiders. On va mettre le lien dans la description. Donc, le Café Insiders sur la rue Crescent à Montréal, au 2067 rue Crescent, dans la suite 205. Vous allez voir d'en bas, vous montez une série de marches, on rentre à l'intérieur et il y a une autre série de marches à l'intérieur. Donc, sur la rue Crescent au 2067 et le lien sera dans la description. Donc, merci encore Pierre et on a au plaisir de poursuivre l'aventure ensemble bientôt. Merci Michel, à bientôt.